le roi, elle doit partir. Quand elle était venue, elle était comme ça, tu étais comme ça. Et là, comment tu es aujourd'hui maintenant? À cause de toi, mon frère n'a pas pu réaliser en ville. Tu dois partir. Tu dois partir, hein? Tu dois partir. Mon frère fait 10 ans en ville, mais il n'a pas pu réaliser à cause de toi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu manges comme ça? Et là, comment lui-même il est? Et c'est toi qui manges tout. Il n'arrive même pas à envoyer l'argent à son père à cause de toi. Elle doit partir, le roi, elle doit partir. Et si tu laissais un peu ton père parler? Oh, toi là-bas déguisé en clown, ça suffit. Mon fils. Oui, maman. Quelle est cette honte que tu apportes à la famille? Tu m'avais promis des villas. Tu m'avais promis que tu allais me faire voler dans la machine volante de ceux qui sont en ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de tout ça là. J'ai vendu mes cori, mes perles, pour ça? Oh, Dieu. Voilà, mon roi. Elle n'a qu'à partir. Elle ne peut rien apporter pour nous dans notre famille. Elle n'a même pas d'enfant à mon frère. Donc, elle doit partir. Pardon, pardon, chérie, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler à ton frère. Pardon, je ne veux pas quitter ici. Non. Tu ne peux pas désobéir à mon père. Toi, tais-toi avec tes pleurs de crocodile là et tu libères notre palais en même temps. Est-ce que tu m'entends? Il est temps aussi maintenant que mon fils aussi aille en ville. Goûter les merveilles de la ville là-bas. C'est ce que je disais au roi, il ne voulait pas comprendre. Je sais que mon fils est très sage. Et si c'était lui qui a été en ville comme ça, je suis sûre qu'on aurait déjà des villas dans ce village. Mais vous ne voulez pas comprendre la réalité. Maintenant, moi, j'en ai fini. Mon fils aussi doit aller en ville. D'accord. C'est quoi, Mouton? Bah, il y a quelqu'un qui dit oui. On ne va pas parler, on va quitter ma con. A bloc au clip, il y a un petit. On va parler, on va aller. Eh, pas de nuit. Longue vie au roi. Oui, mon fils. Le roi, il est temps que moi-même j'aille en ville. Donnez-moi une chance d'aller en ville. Tout ce que mon petit frère n'a pas pu faire, moi je vais le faire. En un an, je vais vous acheter le village. Je vais vous construire des maisons, des véhicules. Le roi, moi je vous le ferai. Exactement. Il faut d'abord qu'on commence par vendre les bœufs et les champs de ce village et donner l'argent à mon fils pour qu'il puisse aller en ville. Excuse-moi. Oui. On vend tout. Je dois aller en ville. Je suis le grand frère. Il est temps que j'aille en ville aussi. Pour aller me chercher. Juste un an. Je vais tout changer dans le village. Je vais amener la connexion 5G dans le village. Je vais amener le courant dans le village. L'eau. Je vais amener l'eau dans ce village. Je prends des notes. Taisez-vous. Mon fils. Ne t'inquiète pas, tout va partir. Je ne veux pas ce vin. Je ne veux pas ce vin. Vous voulez quoi, madame? Vous avez Réna. Chérie, oui. Prends tout ce que tu veux. Mon père est roi. Je suis venu à Cotonou avec 10 millions. Prends tout ce que tu veux. Monsieur, vous avez quel genre de boisson? Chérie, ici on a Réna. On a vin. On a Château de France. On a toutes sortes de vins. Vous avez Beaufort, non? Oui, on a Beaufort. Amène 5 casiers de bière. Non, attends. Chérie, je vais prendre un casier d'avant. Ah, tu vas prendre un casier. Oui. Il faut avoir un casier. Oui. Et Réna là, tu ne veux pas prendre ça maintenant? Non, chérie. En partant à la maison là, je vais prendre pour rentrer à la maison. Ah, tu rentres avec ça à la maison? Oui. Il n'y a pas de souci, fais-toi plaisir. Je suis venu à Cotonou avec beaucoup d'argent. D'accord. Mais chérie, tu m'as dit que tu vas m'acheter iPhone, non? iPhone 7 que tu avais demandé là. Oui. Tu emmènes là, on achète iPhone là. Je okay. Te prends ça, moi, mais je vais prendre deux. D'accord. Le soir là, on va partir à Makuma, non? Makumba? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle Makumba? C'est quoi? C'est une église? Non, c'est un bar. Hein. Un bar? Oui. On fait Doremé là-bas. On fait Doremé là-bas? Oui. C'est ça, je vois les trucs qu'on met. On met les noms, gnangnan, ça fait gnangnan. On va appeler ton nom et DJ va appeler ton nom. Il y a un show là-bas. Hein. On va habiller à Abyss. Oui. Si, c'est fini. Monsieur, je vais faire la disseur de tous les bassins rapidement. C'est quoi, chérie? Tu es fatigué? Non, moi je suis pas fatigué. On va faire l'addition. Parce que moi je vais laisser le pouce, quoi. Addition, tu as dit. On fait l'addition.
Vous voulez trois renards encore pour m'amener ça là? Oui. Ah, tu veux prendre un renard là? Oui, je prends trois. Il y a pas. Monsieur, ça fait 150 000. Tout de suite là? Ah oui. Je veux prendre trois renards. Oui, total. Ça, il y a écrit. J'avais oublié. Attends. Ça fait 150 000. Vous avez dit 40-50 000. 40-50 000, oui. J'ai ajouté pour moi aussi. Vous m'avez dit de prendre. Ah, mais oui. Laisse. C'est comme ça qu'on fait à Cotonou. Attends, je te donne ce que je veux te donner d'abord. Mon fils, je n'ai pas bien compris. Comment tu peux dire que l'argent est fini comme ça, en une semaine? Hein? Maman, comment tu as utilisé ça? Tu veux que le roi pose quoi de nous? Maman, je n'ai pas compris. Non, 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 tu as exagéré. Seulement une semaine. Et tu as déjà utilisé tout cet argent qu'on a vendu des bœufs, on a vendu des terres dans ce village pour t'envoyer là-bas. Hein? Tu as déjà tout dépensé en une semaine. Tiens, quelle surprise, mon roi. Apparemment, ton fils est rentré. Le voilà. J'ai pas compris. Moi-même, j'ai même pas fini tout ce que j'ai même pas fini tout ce que je dois faire. 10 millions. 10 millions est parti en l'air comme ça. Tiens, tiens. Bonne arrivée, mon fils. Où est ta voiture? Pourquoi tu es allé pire que la dernière fois? Mon roi, je vous avais prévenu. Ce que tu m'as fait. Les 10 millions n'ont pas depuis quoi? L'affaire! Mon fils a fait 10 ans, c'est vrai. Mais il a acheté une parcelle à côté. Même après sa mort, son nom sera dans ce village. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Qu'est-ce que ton fils nous a ramené? Il va ramener. Ok. Vous êtes l'argent. Tout pareil. Mais tout est pareil. Vous voyez, si vous pouvez vendre le notre palais là. Vous allez me remettre l'argent. Oh. Je vais revenir avec beaucoup de choses. Oh là là. Beaucoup de choses même. Tu oses beaucoup encore de choses. Tu oses encore. 10 millions, c'est quoi? 10 millions n'a pas suffi. 10 millions à Cotonou, ça ne peut rien faire. 10 millions n'a pas suffi. Au moins 500 millions comme ça pour que j'utilise l'argent bien et ramène des choses au village. Attends, je vais t'amener les 500 millions.